Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 14e semaine du challenge 6 mois de colo. Je suis toujours dans les grands classiques, le tome 1. Et le thème de la semaine, c'est faire un coloriage que vous n'aimez pas. Alors forcément, j'ai dû regarder la solution, mais ça va être celui-ci, celui de la page 88. C'est pas que j'aime pas le coloriage, c'est que j'aime pas vraiment le dessin animé. J'avais peu de souvenirs du dessin animé. Et en fait, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça et non, ça marche pas. Donc voilà. On se retrouve après pour l'avancée. Bye! Voilà où j'en suis pour l'instant. Le fond est un peu différent de ce qui était noté. C'était un peu plus vert. Mais bon, en fait, ça c'est un gris. Voilà. Ça correspond à ça. En vrai, il fait un peu verdâtre, donc il n'y a pas de problème. Pour le foncé, par contre, c'était vraiment un vert kaki très foncé que je n'ai pas trouvé. Donc là, j'ai volontairement changé la couleur et je suis passée sur du gris. Et du coup, dit comme ça, hein, ça n'avance pas beaucoup. Mais j'ai quand même fait 8 couleurs. Quand on a une couleur juste pour des petits détails, des fois, forcément, ça va vite, hein, les yeux, il y a 2 couleurs. Est-ce que vous arrivez déjà à reconnaître le personnage? N'hésitez pas à me dire ça. Et on se retrouve après pour la suite. Et voilà le rendu. Il ne me reste que le contour noir à faire. J'espère quand même que là, vous la reconnaissez. C'est la demoiselle au nom imprononçable d'Antaram et le chaudron magique. J'ai essayé à certains endroits de colorier par ligne, mais alors, je n'ai absolument pas la patience. Pour toute cette zone, j'y suis allée à la One Again Beast to Fly et ça se voit. Mais bon, écoutez, c'était un essai. Après, j'ai du mal, hein. Ça va pas assez vite pour moi. Enfin bon. Voilà, donc je vais faire le noir au Posca et on se retrouvera après. On se retrouve après, pardon, pour le résultat final. À tout à l'heure. Et voilà, le coloriage est terminé. Bon, alors au final, j'aime pas le personnage, j'aime pas le Disney, mais je suis assez contente de mon coloriage. Ouais, c'est un peu ironique, un peu contradictoire, mais j'aime bien. Au début, j'avais très peur de ce orange pour les reflets, et en fait, ça va. En tout cas, la caméra, quand je regarde comme ça me plaît un peu moins. Mais à la caméra, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, la semaine 14 du challenge est donc terminée et on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 15. Bye!